वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि वर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शङ्कर Les Indes. Que l'on peut également tout simplement appeler Inde au singulier, est une république d'Asie du Sud qui occupe la majeure partie du sous-continent indien. Il est le deuxième pays le plus peuplé au monde après la Chine, avec ses 1,4 milliard de population, et est le septième pays le plus grand du monde. Le littoral indien s'étend sur plus de 7000 km. Le pays a des frontières communes avec le Pakistan à l'ouest, la Chine, le Népal et le Bhoutan au nord, et au nord-est, le Bangladesh et la Birmanie à l'est. L'Inde est un des pays au monde où la diversité linguistique est la plus importante. On y retrouve 234 langues maternelles. La langue officielle est l'hindi. Cependant, une certaine partie de la population juge l'hindi comme trop complexe. L'anglais, langue de l'ancien colonisateur britannique, a le statut de seconde langue officielle. Il est cependant utilisé que par une faible partie de la population. Alors, namasté, c'est le premier mot qu'on va dire en indien. Ça veut dire bonjour ou au revoir. Alors, bonjour, bienvenue aux Indes. On est ici pour 23 jours d'excursion, de découverte et de plaisir. Alors, bon voyage! Surabara